Un couple a duré 900 jours. Lorsque la compagne est de bonne humeur, elle fait 10 bisous par jour à son mec. Lorsque la compagne est de moins bonne humeur, elle fait 5 bisous par jour à son homme. Au total, elle a donné 5 500 bisous. Et on vous demande de calculer deux choses. Calculer le nombre de jours où elle était de bonne humeur et calculer le nombre de jours où elle était de moins bonne humeur. Ah! Mais déjà à ce stade-ci de la vidéo, vous faites pause, vous sortez un papier et vous essayez de le faire. Regardez pas tout de suite la résolution. Vous avez fini de faire votre bout de papier, vous refaites play pour voir. Donc déjà ici, quand on est en maths, on va donner les inconnus. Donc x, on va dire que c'est le nombre de jours où elle est de bonne humeur. Et Y, on va dire que c'est le nombre de jours où elle est de moins bonne humeur. Alors, on a toutes les données devant nous. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça a duré 900 jours. Donc le nombre de jours ici, X plus Y, égale à 900. Ça, c'est déjà une équation. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'il y a eu 5 500 bisous. Et qu'il y en a 10 par jour si elle est de bonne humeur, et 5 si elle est moins bonne. Donc, si on fait 10 fois le nombre de jours où elle est de bonne humeur, plus 5 fois le nombre de jours où elle est de moins bonne humeur, on sait qu'on doit avoir 5 500. OK? Ça, c'est notre mise en équation. Alors, trois méthodes, hein. Combinaison linéaire, substitution, combinaison. Qu'est-ce que vous choisissez? Je veux dire. Je ne vais pas faire les trois méthodes, j'impose aucune méthode et j'interdis aucune méthode. Vous choisissez laquelle. Je vous recommande tout de même de simplifier ici, parce que quand on voit un truc pareil, 10, 5, 5 500, déjà, divisons par 5, hein, pour déjà enlever ces énormes chiffres. Donc, x plus y, 900, 2x plus y, alors 5 500 par 10, 550 fois 2. 1100. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme méthode? Bref, on n'a qu'à simplement isoler notre x et venir remplacer, hein, parce que ça a un coefficient 1, c'est le plus simple. Donc, x égale à 900 moins y. Et alors en dessous, 2x. Plus y égale à 1100. Je note toutes les étapes, mais comme ça, vous voyez bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ceci à la place de x là. OK? Alors, je dis, vous pouvez faire une combinaison linéaire, hein, ceux qui veulent. Allez-y, hein, je vous encourage, pas de souci. Moi, je fais juste comme ça, mais. Donc, la première, elle ne change pas. La deuxième, 2 fois 900 moins y plus y. Égale 1100. Donc je continue, je distribue mon 2. 2 fois 900, 1800. 2 fois moins y, moins 2y, plus y, égale à 1100. Alors, moins 2y plus y, moins y. 1800, on le fait passer de l'autre côté, hein. 1100. Moins 1800. Moins 700. Très bien, je vois que vous suivez. Donc, y égale, on divise donc par moins 1 pour avoir y, on divise donc par moins 1. Donc ça nous fait, y vaut 700. Alors, donc x égale à 900 moins y. Hein. X égale à 900 moins y. Donc, x ici. Ça va nous faire 900 moins notre y moins 700. Donc en fait, x égale à 200. D'accord? Donc on répond à la question. Le nombre de. Elle a été de bonne humeur. Donc, elle a été de bonne humeur pendant 200 jours. OK? Et elle a été de moins bonne humeur
pendant 700 jours. On peut vérifier hein, aussi. 200 plus 700, ça fait bien 900. Hein. 10 fois 200, ça fait 2000. Plus 5 fois 700, 3500. 2000 plus 3500, ça fait bien 5500. On est sûr d'avoir juste.